Au-delà de ma satisfaction, bien entendu, pour une Normandie qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir, j'ai toujours porté la réunification de la Normandie dans mes convictions politiques et mon projet politique. Donc je suis très heureux qu'en effet on soit en capacité de pouvoir construire cette réunification. En même temps, bien entendu, il faut aussi avoir la victoire modeste. Quand on gagne en effet de 4500 voix, ça vous oblige d'autant plus à avoir en tête deux événements qui pour moi restent majeurs. Le premier, c'est que même si le Front National n'a pas confirmé au second tour, le Front National continue à progresser de scrutin en scrutin. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a là pour l'ensemble de la classe politique un vrai message que nos compatriotes nous adressent, d'élection en élection. À chaque fois, les partis du Front, ou tout du moins du champ républicain, évoquent à chaque fois qu'on tire les leçons, et en fait, en vérité, on ne les tire jamais. Voilà, ça c'est le premier message. Et le second message, c'est bien entendu d'avoir une présidence qui soit une présidence la plus ouverte possible pour rassembler le plus largement possible.